souvenir de Finistère. En fait, c'était, je devais avoir 6 ou 7 ans, c'était le jour de mon anniversaire. Mon père avait loué un projecteur Super 8. Je m'attendais à voir un Walt Disney, enfin un truc de gamin, quoi. Comme ça, je pouvais crâner dans mes copains autant que je voulais. Et là, il a diffusé pendant une heure et demie Fred Astaire, je sais plus lequel c'était, c'était peut-être Swing Time. Ce film, c'est devenu un peu le symbole de « il faut que j'aime », et puis j'ai fini par aimer vraiment, et j'ai regardé tout le temps avec mon père, avec mes parents. Quand j'ai vu ces films, cette espèce de grâce un peu légère, il misait pas sur son timbre, il misait sur ce, voilà, sur cette, j'allais dire, cette flanelle, ses rubans dans sa voix, et son sens, et son goût. Parce qu'il a, il utilisait pas beaucoup d'effets dans son chant, mais plutôt le timbre et la grâce. Bon, alors moi, j'ai essayé de passer ça à mon cœur, et d'essayer de ressortir, non pas du Fred Astaire, mais cette émotion que j'avais éprouvée, de légèreté, de rêverie et de poésie, parce que ce sont des chansons qui sont très poétiques. Dance with me, I want my arm about you, that charm about you will get me through you. My heart speaks so that I can hardly speak, and I seem to find happiness I see. J'ai toujours aimé chanter dans une voix qui se situe entre masculin, féminin, entre chuchotement et proclamation. Voilà, j'aime bien jouer sur, mais même dans une phrase, d'une phrase à l'autre, j'aime bien changer de timbre, j'aime bien être à un coin de rue, là où on m'attend pas, dans une chanson, et puis oui, provoquer, je pense que la surprise fait partie de la palette d'émotions que j'essaie de provoquer. Toi t'es arrivé avec tes cartons, tes partoches, moi je suis arrivé avec ma bonne volonté, et tout le monde s'est mis à jouer. Je crois que justement, encore une fois, cette musique-là, elle repose sur les personnalités de chacun. Quand tu changes un musicien, tu changes la musique. C'est ça qui m'amuse aussi dans la musique, c'est de partager des choses avec des gens qui m'apprennent et qui je peux peut-être apprendre aussi des choses. On voulait surtout pas faire des reprises de l'esthétique des années 30. Donc en fait, c'est pas vraiment dans l'écriture ni dans les arrangements, puisque ça c'est assez proche des comédies musicales. C'est plutôt dans la manière de jouer, et ça, c'est chacun qui apporte, chaque musicien apporte un rôle et apporte une certaine modernité. Quand il revient, il n'y a pas moyen que vous soyez avec lui juste pour les... Tan, tan, tan. Ah, pa, la, pa, pa. Ouais, c'est le début de la parade, quoi. Ouais. Il sort de son solo et il revient... Tan, 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 tan. Ouais, chelou. Okay.